Hey yo tout le monde, c'est Acer Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer comment télécharger Minecraft sans avoir besoin d'Aptoide tout simplement. Donc en fin de compte c'est tout simple, vous allez aller donc sur le navigateur internet, sur Google, Yahoo, enfin tout ce que vous voulez. Alors ensuite vous allez marquer, enfin vous allez dans la barre de recherche et vous allez marquer VSARE. Vaisher. Voilà, vous marquez ça. Ensuite, voilà, donc là vous allez arriver ici et vous allez cliquer sur celui-là. Voilà, tout simplement. Donc c'est sur Android, mais normalement je crois qu'ils peuvent faire sur iOS. Donc là, normalement c'est celui-là. Voilà. Et en fin de compte, voilà, vous avez juste à descendre, hein, tout simplement. Et vous allez tomber, donc iOS 10, je sais pas ce que c'est. Et là, vous allez tout simplement aller Hot Apply et Game. Vous allez cliquer sur Minecraft Pocket Edition. Voilà. Et donc là, vous allez arriver voilà, dans le truc. Donc là, par exemple, c'est la 0.15.6, mais ce n'est pas. Là, ensuite, vous allez cliquer ici. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc normalement, vous allez cliquer ici. Ça va vous faire installer Vaisher. Vous allez aller sur Vaisher pour Android. Et ensuite, ceux qui sont iOS, normalement, vous allez aller dessus. Jet iOS, vous allez cliquer sur Minecraft Pocket Edition. Voilà, et normalement c'est ici, mais après je ne sais pas la suite parce que je n'ai pas fait avec iOS. Je crois qu'après il faut marquer Jet App. Voilà, iTunes, Apple Store. Après, je ne sais pas en fait, excusez-moi sincèrement, pour les iOS. Donc voilà, tout simplement, et normalement après avoir téléchargé ça. Vous allez donc vous rendre, enfin vous allez ouvrir l'application. Je vais le faire avec vous. Donc ce type remplacer. Hein, il va donc téléchargement en cours. Donc moi parce qu'en fait quand je l'ai supprimé du coup. Ce qui ne me servait plus à grand chose. Voilà. Donc là, hop, téléchargement terminé. Hop, on va donc cliquer sur ça. Ça va ouvrir. Paramètres, source inconnue, ok. Suivant, hop, installer. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est Vaisher Market, simplement. Et c'est beaucoup plus sécurisé que Aptoide, moi je trouve. Enfin, après, je ne sais pas. Donc voilà, donc là, ça s'installe. Donc là, ça s'installe tranquillement même. Donc on attend. Voilà, donc une fois que appuyez sur ouvrir, du coup vous allez atterrir du coup dans l'application, ce qui est normal. Voilà, vous passez ça. Ça bug un peu. Voilà, vous allez paraître sur ça. Vous marquez Start, Download Paid App Free. Voilà. Et donc là, vous quittez ça. Et donc là, vous allez atterrir dans cette page, tout simplement. Voilà. Donc, vous allez aller en application, tout simplement. Et voilà, vous allez regarder. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, je vais aller dans Topic. Et je pense qu'il y a Minecraft dans les Topics, je crois. Non, ça c'est pas sûr. Donc là, vous allez dans Application, vous marquez MCPE, tout simplement, je pense qu'il va trouver. Non, je crois qu'il trouve pas. C'est pas grave, je vais marquer Minecraft Pocket Edition. Alors, Minecraft Pocket Edition. Voilà, normalement, s'il ne le trouve pas, voilà. Donc là, vous allez cliquer sur ça. Et voilà, normalement. Donc là, il y a tous les trucs. Et normalement, vous allez juste appuyer, normalement, au niveau d'ici, il va y avoir télécharger. Et vous aurez plus qu'à le télécharger. Donc moi, évidemment, c'est open, parce que voilà, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent la 15.6, parce que moi, j'ai la 16. D'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas une mise à jour. Voilà. Voilà, on retourne sur ça. Voilà, update, combien de mises à jour? Donc voilà, tout simplement, et voilà, une fois que l'application est téléchargée, bah
Vous aurez plus qu'à quitter ça. Voilà, vous refaites la même chose que pour Vacher. Enfin, oui, que pour Vacher. Vous hop, source inconnue, etc., etc. Et après, bah, vous aurez plus qu'à lancer l'application tout simplement. Et donc, voilà. Après, vous pourrez faire des vidéos si vous le voulez. Enfin, voilà, vous pourrez jouer entre vos amis, tout simplement. Donc, voilà. Et après, si vous voulez désinstaller l'application, vous avez juste à aller dans Paramètres. Et pour plus de sécurité, voilà, vous avez donc gestionnaire d'app. Voilà, bon, vous m'avez compris. Ensuite, vous descendez. Voilà, va cher, voilà. Donc, voilà, vous allez sur le truc. Vous mettez supprimer les données. Et ensuite, vous mettez désinstaller. Hop. Et vous désinstallez directement l'application. Faut bien supprimer les données, comme ça évite de prendre plus de place dans votre téléphone pour rien. Donc voilà, et après, bah, vous êtes débarrassé de Vacher tout simplement. Et après, si vous voulez le réinstaller, bah, vous refaites la même chose. Et ainsi de suite pour tous les jeux que vous voulez. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager la vidéo et me mettre un petit commentaire. Sur ce, abonnez-vous. Allez, bye!